On peut le dire, ce FC-25 c'est l'un des pires jeux de football de ces dix dernières années par eSport. Je suis de retour et je reviens pas les mains vite, je te laisse avec ça. Ça faisait un mois que j'avais pas posté de longues vidéos. Et j'étais bien. J'étais sur mon petit projet tranquille du Blue Lock sur FC25. Et ça marchait plutôt bien. Vous avez suivi. Vous avez kiffé. Et là. J'ai rencontré un big problème. Non, parce qu'en fait, je t'explique, j'ai voulu faire le premier fut champ avec cette équipe originale du Blue Lock sur fut. Et lors de mes trois premiers matchs, sans rigoler, j'ai eu trois déconnexions. Alors le premier match, perdait, tranquille. Le deuxième match, je crois que ça faisait match nul. J'ai subi une déco à cause des serveurs. Éclaté Et le troisième match, ça encore pire, je gagnais d'éco. D'un on commence par un 3-0. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Déjà, pour faire les évolutions des joueurs, tu les payes parfois 100 000, 150 000 crédits. Et derrière, tu dois te taper des matchs dans le mode rush. Le mode rush, je vous le dis, les gars, c'est un calvaire. Je crois que c'est la pire idée de ce FC. Vraiment, on dirait le mode volta, en fait. Il n'y a pas de changement. Les joueurs, ils sont AFK, ça ne fait pas de passe, ça déconnecte, ça fait... C'est n'importe quoi. Et concrètement, j'avais commencé à lâcher petit à petit fut. Je prenais du plaisir que en rivals à jouer mon équipe et à faire les évolutions, même si je me cassais la tête derrière à faire évoluer l'équipe pour faire du fut champ. Mais vu que le fut champ s'est complètement bugué, je me suis dit, bah, vas-y, on va prendre une pause. Et la pause, je t'avoue qu'elle s'est étalée. Mais là, je suis de retour, comme tu l'auras vu avec ces petits teasers, avec une série originale sur le mode carrière. On est sur une série RP qui s'appelle La naissance d'un prodige. On y suit Joe Junior, le fils de Joe Wick, pour ceux qui ont suivi ma première série vers une légende. Série que je n'avais d'ailleurs pas terminée pour X raisons, notamment du temps, etc. Mais là, je me suis dit, on va faire un comeback là-dessus. Parce que le mode carrière, mais la GTA, faire des histoires et tout. En Vrai, c'est ce que je kiffe. C'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que moi je suis fait pour ça. Et du coup, plutôt que de revenir avec la suite, mais la suite directe, on reprend avec Joey qu'on reprend où on s'était arrêté. Je me suis dit, non, ça, ça sert à rien parce que les nouveaux qui vont vouloir suivre l'histoire, bah, ils vont rien comprendre. Que si là je reviens avec une suite directement, le fils de Joey, etc., on le suit dans un nouveau club, bah, les anciens qui ont suivi, ils vont se poser beaucoup de questions, notamment est-ce que Joey. A gagné le ballon d'or, je parle du père hein, parce que c'était son rêve de gagner le ballon d'or. Il y a aussi eu un spin-off sur qui s'appelle Bouscapé. Ça, euh, toutes ces questions-là, vous inquiétez pas, vous aurez la réponse dans la nouvelle série. À travers des flashbacks, tout ça, on y reprend aussi les personnages. C'est-à-dire qu'il y a Maurice, en fait, Joey Junior, il est à l'Inter Miami. Il a été formé là-bas. Et forcément, Joe Wick perd. Bah maintenant il habite aux états unis mais il habite à New York. Du coup, il n'a pas forcément le temps. Et c'est Maurice, le bras droit de Joe Wick, qui va le prendre sous son aile tout simplement. Et franchement, je me suis creusé la tête sur le scénario. J'ai essayé de faire un truc potable. Sur TikTok, il y a déjà 4 épisodes. Alors, un premier épisode de 2 minutes. Un épisode 2 de 3 minutes. Pareil pour l'épisode 3. Et un épisode 4 de 8 minutes. Mais sur YouTube. Je retravaille le format actuellement pour qu'il soit justement en format euh, horizontal YouTube. Et du coup, l'épisode 1 sera une compilation des trois premiers épisodes TikTok, donc qui fera sûrement 8 minutes. Et l'épisode 2... Bah, il fera 8 minutes 13 comme sur TikTok. Comme ça en fait, si vous voulez suivre la série en avant-première mais dans un format pour moi qui est moins bien, clairement le format vertical, euh, on coupe tout vu que de base tous mes recs euh, sur GTA V et sur FC, ils sont au format horizontal. C'est plus facile de le mettre de base sur YouTube. Mais pour faire vivre la série, je préfère d'abord la sortir sur TikTok comme ça en fonction du temps entre les épisodes. Parce qu'il faut savoir que même si je prends un épisode de 2 minutes, ça me fait euh, clairement... On est sur 4-5 heures de travail. Tu fais ça fois le nombre de minutes. Là, l'épisode de 8 minutes, c'était 12 heures de taf. Donc malheureusement, je ne peux pas sortir que des épisodes de 8 minutes tous les deux jours. Je suis obligé de faire des concessions. Mais sur YouTube, justement, vu que c'est retravaillé, dès que ça me fait 8 minutes, 8, 10, 12 minutes, bam, ça sort sur YouTube. C'est automatique. Et sur la cadence, là, on sera vraiment sur un truc qui sera régulier. Parce que je vais vraiment faire quasiment à 90%. Que ça, et vraiment, j'espère que vous allez m'aider à faire en sorte que cette série soit populaire, reconnue, que vous allez liker, partager un maximum, mettre vos commentaires, ce que vous attendez, etc. Parce que vraiment, je vous promets que je, enfin, je me donne vraiment corps et âme là-dedans et j'aime faire ça. De toute façon, vous allez voir, là, je vous ai balancé le trailer. Aujourd'hui, on est dimanche, mardi, l'épisode le... 1 sort sur YouTube. Et euh, mercredi, juste après, allez, je suis fou. On balance l'épisode 2 directement sur YouTube. 8 minutes 13. Comme ça. Vous allez être dans le train, vous allez monter dans le train, vous allez voir pourquoi j'ai arrêté FUT. Parce que FUT, faut dire la vérité, c'est clairement de la merde. ESPORT nous prend pour des cons. Et ok, d'accord, tu peux faire des évolutions, c'est fun, etc. Ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que tu, maintenant, dans FUT, tu peux faire une équipe de joueurs évoluer qui est quand même assez compétitive. Ça, je le reconnais, c'est quand même une amélioration. Mais il faut trop tryhard pour faire évoluer tes joueurs, pour garder l'équipe au niveau, etc. Euh, franchement... C'est dur, c'est dur et vraiment j'avais grave avancé dans l'équipe. Hein. J'essaierai quand même de finir, de sortir un épisode histoire sur justement le Blue Lock sur FC25. J'essaierai de finir ça histoire de vous montrer où j'en étais quand même parce que franchement l'équipe elle avait quand même de la gueule mais je trouve ça dommage. Et esport Ils nous shit dessus à ce niveau. Clairement ils ont rien à foutre. Ils n'ont ont rien à foutre. Le gameplay il est catastrophique à la ramasse. Vraiment je ne prends du plaisir là que en mode carrière que à faire cette série. Ça me permet aussi de me déconnecter un peu de fut champion des de courir après les récompenses, toujours essayer d'avoir des crédits, tout ça. Ça, en fait, je remarque que c'est un cercle malsain sur FC. En fait, tu es toujours obligé de jouer, obligé de jouer, obligé de jouer pour rien parce que le jeu, il est bugué. Tu as des buts de fou. Franchement, tu pètes un câble. Leurs serveurs, ils sont éclatés. On est en 2024. Leurs serveurs, ils sont même pas stables. Bref. Là, je prends du plaisir. Désolé euh, pour ceux qui attendaient la suite de manière régulière pour le Blue Lock FC. Vraiment, je m'excuse. Mais là, je suis de retour. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne reviens pas les mains vides. J'apporte un vrai concept, un vrai truc. Et vraiment, les gars, j'espère que vous allez kiffer au maximum. Merci en tout cas à vous de toujours me suivre. Merci à ceux qui verront cette vidéo. Je ne sais pas si vous serez nombreux. Merci à ceux qui m'ont la rendre la force. Pardon. La force, pardon, et ben j'espère que vous attendez ça. Et franchement, les gars, si vous voulez déjà aller voir, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais en vrai, moi je vous conseille d'attendre la version YouTube parce que pour moi, la version YouTube c'est du caviar comparé à TikTok vu qu'on est en plein format. Franchement, c'est on dirait que c'est fait pour YouTube, tu vois, avec les bandes et tout. Je vais, je, vais, je vais vous préparer ça tranquillement, vous allez voir, ça va arriver très vite. et J'espère que ben vos retours iront avec la qualité de la série et mon investissement parce que franchement les gars moi je kiffe moi je kiffe de ouf en tout cas c'était moi et à, à, à bientôt pour une prochaine vidéo et ça fait tellement longtemps ciao